闇を洗って闇を洗って夜の隣が降りたら合図だ廃材して回る感情線さらことなどは吐き捨てい方まだ止めないでまだ止めないで誰よりも悟ってる街に生まれ仕事しろたる呪い呪たる呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んだ消えない痛みだけは Et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches pour notre cours en commun de japonais, tout simplement. Euh, on va aller euh, continuer notre apprentissage des hiragana. Du coup, le deuxième alphabet qu'on a fait, on avait fait les katakana. Euh, là, on fait les hiragana. Les hiragana, j'ai <laughs> du mal à parler. <laughs> et euh... On va essayer aujourd'hui d'avancer le plus possible pour essayer de finir en gros la, la, la première partie des hiragana euh, des pour ensuite essayer d'enchaîner de, sur les Dakuan, les combos et, euh, et le reste euh, pour euh, les prochaines fois. Euh, sur ce, moins de blabla, euh, plus d'apprentissage. Hop, et je vais démarrer euh, la petite application. Nya, 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 Commencer, c'est bon. Hop, parfait. Bam. Le license, Hop là Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on s'était arrêté euh, sur les hiragana. Et là on va essayer d'avancer le plus possible pour que ce soit le dernier épisode. Parce que vous voyez, on a, on a vu à peu près tous les hiragana, Il y en a certains, euh, ceux que j'ai fait euh, moi personnellement, où j'ai mes mémotechniques... techniques. Euh, j'essaie de vous les donner pendant qu'on va les voir là euh, vous avez sûrement pas les mêmes mots techniques les mêmes mots techniques que moi c'est euh, oui. ça non c'est pas ça ah, c'est juste ça oui. c'est ça ça ok alors euh, katsu donc k on rappelle c'est celui là et le dessous, du coup, c'est l'espèce de, euh, de, 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 de. de. de fer à cheval. Donc, euh, le dessous des pieds de cheval. Chi, euh, donc, Chi, c'est le 5. Et Li, c'est bien Chili. 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 Euh, donc, le riz, c'est cette petite euh, espèce de virgule. Pourquoi euh, Je pense bon, ça ressemble à un riz. On n'avait pas trop de némotechnique là-dessus. Donc, euh, ça c'est you et ça c'est Mi, le H mi. Euh, là, on a le chi et là on a le you. Là, on a le you et là on a le k. Et là, on a le tsu et le chi. Et là, on a le wa et le ri. Tout était dans le bon sens. Tout va bien. <laughs> euh, Tsuyu. Donc, tsu. On a dit que c'était le tsu des pieds du de cheval. Et c'est you. You, c'est celui-là. Et c'est Rainy Season. Ok. Alors, le You, on vient de le voir. Par contre, je sais pas dans. Ok, voilà ce que j'allais dire. Je ne sais pas comment on le dessine. Donc, c'est comme ça. Et après, on fait ça ah, C'est un peu en virgule. Ok. Un espèce d'escargot avec un trait dessus. Ok. Euh... Recon. Donc il est là, le con, c'est le espèce de gal, et le Ne c'est le N. Euh, et, euh, on vient faire la suite euh, des, des, bouts, des trucs. Donc A, ah, le A, c'est celui-là, parce qu'on se souvient, moi, je me souviens du Kamehameha, Donc je n'avais pas trop donné de mémo technique, mais à la rigueur, on peut voir un A. Alors Vert je ne sais pas quelle mémo technique vous avez. Tsu du coup, on a vu que c'était le dessous des... Des, des trucs de cheval, mais là on a vu que ici c'était co et du coup lui il a défilé. Ok, ensuite euh, là on a euh, Rikon. Rikon. Là euh, on a euh, I. Ilatsu. Donc on rappelle le, le rat c'est euh, le 5 mais où il n'y a pas de boue ici. Euh, Il chi, excusez-moi. Euh, ensuite, euh, là, on a A ah, euh, Tsu I. Atui. Là, on a Li euh, Kin. Donc, le ki, on rappelle, c'est l'imposteur. Donc, c'est euh, l'inspecteur, mais avec une barre en plus. Donc, c'est l'imposteur. Et Kochi Pour le moment, c'est que des trucs qu'on avait déjà vus. Euh... Ka et c'est ichi, ça veut dire quoi ichi ouais, Je vais aller voir. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ichi en anglais. Ichi. Une démangeaison. J'avais en jamais entendu parler de ça. Ichi c'est une démangeaison. Ok. Et bien, on va le noter dans notre dans notre petit dictionnaire. Hop. Hop hop. Et du coup, c'était quoi le mot Euh... K... Yui. K-Yui. Donc... K-Yui. Et du coup, c'est euh, le deuxième mot. Euh, Yo, Dreams. C'est plus Jack, là. <laughs> C'était sur, euh, sur son live tout à l'heure, euh, Dreams. Yo, Noblix, comment vas-tu Comment vas-tu, Dreams Du coup, parce qu'on s'est vu vite fait sur live de Jack tout à l'heure. Euh... Et du coup, Ichi, Ichi je ne savais pas du tout qu'en anglais ça voulait dire démangeaison. Au moins, on en apprend tous les jours. C'est bien démangeaison, hein pas de bêtises. Et je savais pas du tout que c'était euh, une démangeaison. Donc, quand on en apprend tous les jours. Hein, démangeaison. Pas sur la bonne ligne. Hop là. Nickel et toi Bah, moi, nickel. Hein, la forme. La forme, la forme. J'avoue que j'ai été. Euh j'avais pas trop la forme pendant quelques jours là mais là c'est reparti donc euh, c'est nickel vu que j'ai je dois réaliser pour un concours j'ai pas forcément envie de passer alors là donc là on a vu tout à l'heure c'est le 5 ou c'est pas assemblé au bout ici voilà euh, ok donc ça le, le J là vous rappeler le, du mémotechnique technique qu'on avait c'était le chi du coup ça c'est chi chi et nous le tsu on se rappelle c'est ici ensuite tsu la là on vient de le voir c'est le 5 et le i il est là tsu la, kochira ko c'est le égal chi c'est le 5 et là c'est le 5 pas fini alors ka ra, i. spicy pas ici ça... je crois savoir ce que ça veut dire mais je vais quand même vérifier ouais. Et puis je vais pas le noter parce qu'en vrai ah mais j'aurais dû noter parce que je... je sais pas ce que ça veut dire en japonais Bon, c'est pas grave euh... tsu non, le dessous c'est ça hop on a dit tsu c'est le c'est le tsu du pied du cheval c'est le... le fer à cheval mirai mirai ça veut dire ça veut dire euh, futur en japonais. Euh, mirai, mirai. Donc, mi, on a dit que c'était le H. Donc, il est là, il est là. Le Ra, on a dit que c'était celui-là. Donc, mirai. Et ça veut dire futur en japonais. Yurika. Yurika. Yuri, yuri, yuri. Et le ka, il est là. Ok. Euh, tsurai. Euh, yurari. Non, ça a bien avancé sur... Euh... Ça a bien avancé sur... Euh... Comment ça s'appelle Sur euh... The Forest, euh... Noblix Et toi, Dreams, tu, tu joues à quoi par euh, Black Ops 3 en ce moment a -tui. Ah, oui, si t'as le temps de jouer, hein, ou si tu fais autre chose. Ouais, là, on a trouvé l'appel. Ah Bonne avancée Au revoir, Dreams <laughs> Euh... Euh... Tsu... I. Tu restreams mardi soir Ok. Je serai sûrement là pour regarder si je... Si je live pas. Je pense pas que je live mardi. Faudrait que je vois. Mais ok. Bah, bah je regarderai. Vu qu'il y a mon concours qui approche, je vais stream un peu moins. Ah, tu vas jouer avec Arthur Ok, bah tu lui passes bonjour de ma part. Hmm. Bonne game à vous. Euh... Et avec l'appel, euh, tu peux faire quoi Tu peux faire des trucs en plus que par rapport au 1 ou pas du tout Genre tu peux faire des fouilles et tout. Euh, so, du coup, on a dit que So, c'était le Z de... de Zoro avec une petite virgule en dessous. So ah, rejoins-nous, là je suis en plein apprentissage japonais, à voir peut-être après. Ha. Ha. On se bien. Ha. ha. Alors. Ah le mémo technique. Ça c'est le ma. Et en gros, il y a une partie du ma qui est partie. On est là. Ha En mode on est étonné. J'ai ouvert une page qu'il fallait pas. Hop. Ha Ok, ensuite T. Es. t es. Euh, le t un peu arrondi ma le ma comme je viens de vous ma. dire c'est celui là donc on vous, vous souvenez dans les katakana on avait le ma euh, c'était la voile et ça c'est l'arrière de la voile hata. Hata. donc là c'est hata donc hata ha. et coma euh, donc co c'est le égal ma c'est ça ma. Maki. Ma qui donc ma et le qui c'est pas ça ça c'est ça euh, c'est l'inspecteur et on a dit l'imposteur donc quand il y avait une barre supplémentaire Maki. et le qui ok ensuite on a Titsu, Tetsu. Euh, Tetsu je veux dire là on a Hama Hama euh, là on a euh, Sola Sora. Ah, c'est ça. Là, on a chité. Et là, on a maïu. Hata. Hata. Alors, ha. Ha. Ta. C'est flag donc c'est un. Ok. Donc, attendez, hata, je vais le noter. Donc, hata, c'est. Euh... Flag c'est un drapeau. Et un euh, graphe. Ça a l'air grave chaud euh, le Jap. En vrai, ce qui est compliqué avec le Jap, enfin, je trouve, c'est que en fait, enfin euh, surtout avec les Hiragana, les katakanas, ça allait. Parce que les symboles... Euh, même si il euh, y avait plein de symboles à retenir, ils étaient quand même... Quand euh... enfin, c'était euh, la même voyelle, ils se ressemblaient entre eux. Alors que là, bah euh... là, voilà le problème... C'est que euh, en fait euh, les, euh, les, les symboles, euh, j'ai l'impression on, on s'en fout de 6. Euh, de <laughs> si t'as pas de technique, on s'en fout de la voyelle. En fait, il euh, y a des symboles qui se ressemblent beaucoup. Le matsuri. Matsuri. Euh, je te montrerai après avec les symboles, mais je trouve qu'il y a des symboles qui se ressemblent beaucoup et c'est ça qui est dur en fait. Euh, Satsuma, donc euh, ça on a dit que c'était l'inspecteur. Tu, donc c'est le dessous du cheval et de ma. Satsuma. Là, là. Masaka. Masaka, masaka, c'est le premier. Euh, ha, du coup, je vous ai dit tout à l'heure. T. T, c'est ça. Euh, donc là on a Ha. Là on a T. Le saut, c'est le Z de Zoro et la virgule. Là, le dessous. Et là, on a le ma. Tama. Tama. Alors, ta. Par exemple, le ta, là, c'est un T avec un coup derrière, quoi. C'est. Tama. C'est Tama, c'est une balle. Enfin, un ballon. Ok, Tama. On le noter. Euh, hop. Et l'autre truc d dur aussi, c'est euh, qu'il y a des... Euh, bah, après, après euh, c'est un moyen de retenir, mais c'est en gros, il y a des trucs, euh, on va dire, en avec une certaine prononciation, qui ne seront pas euh, les mêmes symboles avec... Euh, par exemple, Negi en Katakana ne veut pas dire la même chose que Negi en hiragana. Et la seule chose qui peut faire la différence, c'est que les... Euh... Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Nous l'ont pas trop dit, mais c'est ce que j'ai remarqué. C'est que les, euh... les katakana, euh... c'est tout ce qui vient de... De comment s'appelle euh... Tout ce qui vient en gros de langue étrangère. Euh, et les hiragana, c'est tout ce qui vient euh, bah, du de la langue elle-même. Après, j'ai pas encore eu, je crois pas que j'ai eu encore de, de trucs qui sont exactement pareils, mais je suis sûr qu'à un moment où on va tomber sur euh, on va tomber sur un truc euh, identique. En vrai, peut-être pas, mais enfin, euh, faut quand même savoir quand tu dis kuzu kuisu, si ça s'écrit en katakana, en hiragana quoi et la seule manière de le savoir c'est par exemple quizou tu sais que quiz c'est emprunté de, de l'anglais ou du euh, de l'anglais ou du enfin euh, de l'anglais euh, tout simplement et du coup c'est pour ça que c'est en katakana alors que si euh, quizu par exemple c'était euh, spécifique au ben, à la langue commune quoi c'est pas euh, c'est pas euh, bah, c'est en hiragana par exemple là euh, n N, c'est les yens et c'est les yens, c'est c'est non... bah, la monnaie japonaise quoi. Kami, par exemple, le papier, le papier, c'est un truc euh, un, un truc commun quoi. C'est que des trucs comme ça. Euh... C'est juste faut faut, bah, faut penser à qu'est-ce qui vient de qu'est-ce qui vient de l'étranger et qu'est-ce qui est dans la langue commune quoi. Hachi. Euh, Hari. Ali, donc Ali, c'est celui-là. Euh, Ala. Euh, Machi. Jidi Maki, s'il te plaît. Euh, Teki. Euh, Tetsu et Sola. Matsuri. Matsuri, Ma. Euh, Li, il est là. Matsuli, c'est un festival. Ok, Matsouli, je vais le noter. Je vais noter ça. Alors, ma... Matsouli. Gol. Gol. Je pas besoin de le mettre dans l'autre langue puisque c'est exactement la même chose. Euh, Ashila. Ça me fait penser à Shilama dans, dans Naruto. Alors, Ashira. Euh, A, donc ici, ici. Euh, le chi, il est ici, donc c'est là. Hakama. Hakama. Akama. Akama. Euh, Mashite, euh, Masaka. Euh, Katsura. Euh, Asama. Et Achila. Hantai. Alors, Hantai. Désolé, je sais ce que c'est. Donc, Hantai, c'est en gros le. Pervers. Pervers, porno. ça comme tu veux. Mais voilà ce que ça veut dire, Hantai. Euh, voilà, voilà, voilà. Hantai, euh, un Hantai. Un un Donc, euh, c'est le et d'abord. Et le E, c'est quoi Attends. Là, on a le N. Là, on a le TSU. Là, on a le Ma. Là, on a le Ha. Ah bah, An. Euh, Ta. Antai. Voilà, opposite. C'est bien ça, opposite. Pas de conneries, ça veut, bien, ça veut bien dire ça en anglais. Ah non, même pas. Attends, je suis en train de dire de la merde. À l'opposé d'eux en face. Opposite. Un taille, ça veut dire à l'opposite. On m'aurait menti toute ma vie. <laughs> On m'aurait menti toute ma vie. Un taille, ça voudrait dire opposite. Moi, je peux vous dire que si je tape ça sur Internet, je peux vous contredire. Je ne, non, je ne mettrai pas ça sur internet en plein live. Je vous le dis. <laughs> Après, c'était pas Antaï, c'était Antaï. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah oui. Ah oui. J'avais mal écouté, excusez-moi. What? Pourquoi. Elle euh... s'est arrêtée, elle. Euh, alors. Et, hop. pourquoi l'application a, a bugué comme ça hop là ah, désolé les gars j'avais mal compris c'était pas han c'était pas hantai c'était Han aïe 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 putain. Comment on peut se faire avoir en deux secondes? Non, 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 je n'ai pas l'esprit mal placé. C'est faux. Ah, pas la bonne application. Hop, voilà. Ok, alors. On continue. On va faire comme si de rien n'était. Hop. Ah Main, je voulais te montrer Dreams. Ah, attends, alors regarde par exemple. Si Je te donne un exemple. Euh... Par exemple, le chi, tu vois, le chi et le la, pratiquement la même chose. Quoi, Chi, c'est un 5 où c'est assemblé et le la doit être euh, là. Le LA qui est ici, tu vois, c'est un 5 pas assemblé. Genre, euh, le A et le I, ça n'a rien à voir. Euh, pour donner un autre exemple, le LO et le LOU, là. Regarde, le lot c'est l'espèce de Z avec une, une grosse virgule derrière. Le, enfin, le RO, je veux dire, c'est l'espèce de début de Z avec une grosse virgule. Et le lu la même chose mais ça vient revenir et on a la même chose avec le euh, le saut et ici où ça vient faire un z et ça vient faire une virgule dans l'autre sens des symboles qui se ressemblent beaucoup quoi et je suis désolé mais il a pas beaucoup de trucs pour dire ou euh, un autre exemple euh, pour... Bah si, le qui et le ça, le qui et le ça c'est la même chose à part qu'il y a une barre de plus quoi. Alors que bah il y en a un c'est en que et c'est un i et l'autre c'est un c'est le ça quoi donc c'est un s et c'est un a quoi donc c'est ni la même voyelle ni la même consonne franchement enfin ni le même le même son quoi. Franchement t'as vraiment intérêt. Alors le coup on a dit que c'était un coup tordu oh, bon je l'ai j'ai un peu abusé sur le mais voilà, c'est un coup tordu pour celui-là. Euh, le C. À enfin, quoi le C C'est pas euh, genre. Euh... Non, mais. Bon, pas grave. Il a voulu faire à ma place, mais bon. C'est un H avec une virgule directive... comme ça. C'est un C, ok. Faut que je retienne. Le na, euh, le na, le na, le na, je sais plus du tout à quoi ça ressemble. Le na, attends, me dis pas que c'est encore un truc. Euh, genre, euh... Oh Mais regarde, par exemple, le na, c'est encore l'espèce de T sur le côté, euh, comme le ta, sauf que pour le ta, c'est un co qu'on a ici. Et là c'est une espèce de virgule enfin euh, de boucle chelou. C'est euh, Alors le mot d'un hameçon. Fini non Rien ah, d'autre Ah si y a deux barres. C'est quoi l'hameçon alors déjà Si le mot c'est l'hameçon avec deux barres. Euh... C'est quoi l'hameçon tout court Je sais qu'il y a un truc avec l'hameçon tout court. Euh, bref, euh... Kutsu, on a dit que c'est ça. C'est mi. C'est mi, donc c'est mi. C'était ça le C. Est. Naka. Euh, donc le K, on l'a. Le Na de mémoire, c'est ça. Et c'est middle, au milieu, Naka. Ok, Naka, au milieu. Et bien, on va le noter. Naka, Naka. Naka. Middle. Euh... Bon, ça a pas changé de case. Alors que je lui ai dit de changer. Hop. Hop là. On est reparti. Naka. Naka du de coup Alors, euh, Kimo. Euh, Kumo, je veux dire. Euh, c'est brouillard, je crois, cest dire Kumo. Je dis pas de bêtises. Ma Kumo, c'est brouillard ou c'est euh... bon, je sais plus. Euh... Village caché de Kumo. C'est Kumo. Non, c'est la foudre Kumo. Kumo. Ok Kumo. 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 C'est la foudre. Ah non, c'est les nuages Kumo. Ok. Kumo, c'est les nuages, c'est juste que c'est dans le pays de la foudre. Kumo, c'est le nuage. Euh, Kutsu. Kutsu... Là, on a euh, hana. hana. Là, on a Semi. Semi. Et là, on en a Naku. Ok. Mochi. Moshi. Kutsu. Kutsu. Hana. Hana, Hana... Ha. Et na. na. J'ai pas vu ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Euh, là, on a Nak Naka. Euh, Naka. Là, on a Naku. Naku. Là, on a Semi. Semi. Là, on a Mise. Mise. Et Natsu. Natsu. Ok. Kumo. Kumo. C'est Mise. Mise. Merci, Naruto. Euh, Mise. Mise. Kumo. Encore Kumo Et Il aime bien Kumo. Du coup, Cloud, donc ouais, c'est bien nuage. Euh, ok, alors, euh, Natsu. Natsu. Là, on a. Euh... Attends, là, il y a un co avec une barre à côté. C'est quoi le co avec une barre à côté C'est C'est Je crois que c'est Niku. Donc Niku qui veut dire viande rouge en japonais. Comment je sais Parce que Niku, c'est mon nom de Cyan. C'est le nom que je me suis attitré de Cyan. Parce que les Cyan ont tous des noms. Euh... Hana. légumes Je sais pas si vous le saviez, bon je pense que ceux qui connaissent Dragon Ball, vous le savez. Il y a Kakarot. Cyien enfin, ça veut dire légumes déjà. Euh, Kakarot, euh, carotte. Euh... Euh, Végéta, donc euh, les végétales, euh, on a Radit avec le radis, et ainsi de suite. Et euh, Funa, je sais pas si je vous l'avais dit, mais ça, ça me fait penser à... Un... On rajoute une tête là, et ça, ça me fait penser au Kung-Fu, euh... <laughs> c'est pour ça que c'est fou pour moi. Euh... Et euh, Niku du coup, euh, bah, vu que ça veut dire euh, viande rouge, moi c'était dans... Rester dans la lignée de la, de la bouffe, à part que vu que je préfère la viande à, <laughs> aux légumes, et bah pour moi euh, je préférais de la viande rouge, donc voilà Moshi. pourquoi Niku euh, c'est mon nom depuis longtemps de sayenne que j'avais décidé. Euh, mochi, du coup euh, mochi ou Moshi mochi, juste Moshi donc euh, c'est pas euh, le, le petit truc, sûrement autre chose. Kutsu. Euh, des choses, je crois que je l'avais déjà noté. Kutsu euh, Kutsu, ouais, il est en haut. Euh, ok, alors je me disais bien que ça me disait quelque chose. Kutsu, euh, ok, Koshi, Emochi. Euh, euh, du coup, on a dit le Kunfu et Na Da. Là, on a Kutsu. Là, on a Naka et là, on a Kumo, donc Kumo qui veut dire nuage. Ok. Hop, hop. Et on est reparti. Donc, le quai. Oh mince, je pensais que c'était auto-guidé. C'est pour ça que je fais un truc aussi. J'ai fait un énorme trait! Ok, ok, qu'est-ce qu qu que j'avais comme émotechnique avec Key Je sais plus du tout. Kung oh, je sais que c'est ça, je vous l'ai dit, c'est euh, Kung Fu pour moi. Regardez, oh. si je rajoute la, la tête, là. vous voyez le voyez le gars qui est comme ça là? Qui est comme ça là. Et... Et ça vers le bas là. Euh, ok, le nez. Parce que ça me fait penser à un nez là. Genre là, il y a la narine et là, il y a le gros pif. Voilà. Le nez, je vous avoue que j'avais oublié que c'était un. un co. Euh, un co avec une barre. En fait, euh, si je veux. Lui, pour le retenir, ce que je fais. Que je me souviens des technique que j'avais fait. C'est que pour les katakana, on se souvient que c'est un espèce d'égal comme ça, donc un, exactement le même, mais la barre elle est au milieu. Et ça c'est un ko. Et euh, euh, c'est un ni, je veux dire. Et du coup euh, là, la barre ils l'ont juste décalé sur le côté quoi. Sake du coup, euh, boisson japonaise. Euh... Ah yo, euh, Blancsama, comment vas-tu? Bonsoir. Toi, euh, moi je pense à un nœud pour euh, le nez. Ouais, sauf que si je pense à un, euh, c'est vrai qu'un nœud, ça, en vrai, c'est pas bête. Hein. En vrai, c'est un, un nœud, ne né, ne né. En plus, ça, ça, se ressemble parce que ça fait, euh, en français, on prononce nœud en fait, donc ça ferait ouais, C'est, c'est pas bête comme mémo euh, Moi, je pense que si je fais ça, je me confondrais avec le a, mais après, c'est que le h le. Moi, je le pense au caméma. Non, en vrai, je vais peut-être prendre ton mémo C'est sympa euh, de dire que ça, c'est un nœud. Ouais, c'est pas bête, pas bête. Je, je note, je note, je note. Donc, on a dit ça, c'est l'inspecteur plus le quai. Du coup, le quai est là. Fuyu. Fuyu. Donc, on a le gars du kung fu et You, on a dit que ça. Ne. Ne, du coup, le ne nez qui est un nœud. En plus, c'est bien le bordel. Oh, la souris, euh, c'est dégueulasse. Hein, je devrais le faire à la main. Sinon moi ça va très bien. Ah oh, bah parfait. Ça va très bien. Tu T apprends le le japonais ou tu con... ou tu connais déjà un peu le japonais euh... Ah c'est d'abord celui-là et après celui-là. C'est vrai qu'on écrit toujours euh, dans ce sens-là. Hop. Hop. Ah oh, mais je... Je dis que je vais faire sur le sur le téléphone et je le fais à la souris. Euh, Nen, ah, ça nous fait penser à un center, ça. Euh, Nen, donc on a dit que Ne, c'était le nez, euh, c'était, enfin euh, le, le nez c'était le nœud, comme euh, tu me l'as tu me l'as donné, Blancama. Euh, et le nœud en le n, donc c'est un n en fait où on vient prolonger les trucs. Nen, ah, merci Blancama pour le follow. Niku. Niku donc viande rouge en japonais. Niku. Hop. Ke. Euh. Ok. Je sais plus si la barre elle est là ou si elle est sur le côté. Je crois qu'elle est sur le côté. Ah oui c'est qu'elle revient comme ça. J'ai commencé à apprendre le japonais mais avec le taf j'ai je... en ce moment c'est chaud. Mdr ouais, ouais ouais là je comprends je comprends totalement. Euh, on... Moi j'essaie d'être le plus régulier possible mais je peux comprendre que c'est euh, compliqué attendez on va le faire sur le pad hop là ni. parfait alors ni on vient de le voir c'était ah non mais non ni j'ai dit que c'était le co avec la barre sur le côté euh ike donc ike le i il est là ok il est là Fune bah en tout cas merci de passer et puis c'est sympa au moins tu, tu te remets en mémoire ce que t'as déjà appris là en, avec moi je pense que tu t'avais au moins appris les alphabets Pune prenez t'avais euh, suivi des cours de japonais ou euh, tu t'étais comme moi en autodidacte ni ni donc, on a dit ça, ça, ça. Ok. okay. Alors, okay, okay, ok, On a dit que c'était ça. Ça. Ça, ça. J'ai encore fait avec la souris, j'aurais peut-être pas dû. Alors, euh, fou. Je sais pas si c'est. Non, c'est pas en un coup. Donc, fou. On a dit que c'était ça, ça. Ça, ça. Euh, ok. Ok. C'est ané. Donc A du Kamamea. Euh, et le nez, on a dit que c'était le nœud. Et c'est older sister. Ok. Ok. Older sister, ça veut dire que c'est une grande sœur, on est d'accord C'est pas vieille sœur. Older sister. Et attendez, c'était comment en japonais C'était Oné e euh, a année OK année Ah non pas le a comme ça c'est le a comme ça année OK et c'est older sister older sister bah attendez j'allais vérifier vite fait mais je c'est juste que ça veut dire c'est grande sœur older sister older sister Ouais c'est ça c'est grande sœur sœur aînée. Ok je préfère vérifier on sait jamais mais vieille sœur euh, vieille sœur c'est grande sœur quoi. Ok alors inspecteur ouais c'est ça grande sœur euh, holder euh, holder ça veut dire oui euh, oui ouais, ouais, non mais on, je préfère vérifier on sait jamais mais c'est que d'habitude, je pensais pas qu'on disait le Heur, je pensais qu'on disait Old Sister directement, et pas Older. Pour bon, ça, je voulais voir si ça avait quand même une, une autre signification, on ne sait jamais. Euh, alors, du coup, Sake, là on a euh, Fuyo, là on a Fune, là on a année et là on a Neko. Mes grandes sœurs, ça se dit... Ah bon dit alors attends c'est bien ce que tu me fais tu me fais réviser en même temps alors grand... c'est écrit en petit mais on va essayer de lire euh... c'est trop petit le premier j'arrive pas à lire ensuite il y a année. ensuite j'imagine que c'est euh, un rat euh... attends je vais agrandir le chat pas grand chose et en japonaise et le n on l'a pas encore le dernier que tu as fait là ah, je peux pas lire euh... <laughs> que tu m'as écrit là on les a pas tous c'était tes euh, euh, symboles que tu m'as fait là mais je suis bête je regarde le chat à droite alors que je l'ai en plus gros à gauche euh, alors attends du coup on va céder de, de notre table la table des matures alors, si on s'était pas trompé le nez on s'est pas trompé c'est le nez c'est le deuxième truc euh, 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 le Ça te fait Onet Chan ah. c'est vrai que j'avais oublié j'avais oublié qu'il y avait Onet Chan en vrai en tant que... en tant que personne qui regarde beaucoup d'animes je devrais savoir que c'est Onet Chan c'est même Onet Chan euh, bref euh, o oh, du coup on a dit que pour le o oh, le mémotechnique je vous l'avais pas donné pour moi le mémotechnique on reprend la mécanique du ma donc là on a le ma euh, là on a dit que c'était le HA. en mode mince euh, le ma est tombé et là c'est un o oh, en mode euh, c'est comme si on faisait le un o oh après le a ah, comme si il euh, y avait euh, une partie du ma qui réapparaissait d'un coup oui je sais c'est un peu oh. tiré par... <laughs> Un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme si, genre, on avait une partie du mât qui se barrait et qu'il y avait un nouveau une nouvelle partie du mât qui, qui se remettait. <laughs> et du coup, là, on est en mode oh d'étonnement. Euh, alors, on a né là, alors, lu. Ça, lu. Ouais, voilà. Lu, c'est l'espèce le, de Z de Zoro avec euh, une virgule bizarre derrière. Euh, le hi. Le i, c'est l'espèce le... de u, je crois. Ne. Ça. Ou de oméga. Comment je pourrais retenir le mieux le i euh... Bonne question. Ne. Alors, nous. Oh, le nous. Oh ne. Comment tu dessines ça Tu fais d'abord ça, ensuite tu fais ça, ça, ça. Tu agites comme ça. Euh... Mm. Hop, le nous, euh, j'ai pas hâte de le dessiner. Hein. Oh, 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 oh. J'ai pas hâte de le dessiner. Mm. Euh, ma. ma. On a qui Et là on a mm. Hon hon. Hon. Euh... Oh, hon. Oh, 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 oh. Il est là. Ho. Le N, il est là. C'est un bouc, un livre. Ok. Le haut fait une rotation de sorte à ce que la barre swing le caractère et ça te donne la prononciation. Comment ça Le haut fait une rotation. Ah, attends, le haut fait une rotation. Ouais. Euh, fait une rotation de sorte à ce que la barre souligne le caractère alors là il y a une rotation et il y a une barre en haut ouais ouais bah je le vois le haut de toute façon regarde il est là là euh... je comprends pas ce que tu veux me dire attends le haut fait une rotation de sorte à ce que la barre souligne le caractère souligne ou surligne et ça donne à la prononciation je le tourne ça te fait un h6 en gros ah ouais <laughs> ah ouais ça fait un h6 en effet et ça veut dire quoi en gros que ça fait un h6 Ah, en gros ce que tu veux dire c'est que tu as la barre d'abord et ça ça veut dire que c'est le c'est le H. Et le fait qu'il y ait un trait et un 6 derrière, ça te fait le O. Attends, je vais noter. Pour t'en rappeler. Ah oui, mais après, euh, chacun son mémo technique. Hein. <laughs> Moi j'ai le mien, mais c'est vrai que le tien euh, m'a l'air pas mal aussi. Hein. Alors, euh, Attends, c'était own. Ouais, c'était own tout court. Ok. Et on a dit que c'était quoi et un Book, un livre Hop là Hop là C'est vrai que En vrai euh, c'est drôle parce que ta façon de retenir Moi j'essaye plus de me raconter Des histoires autour de Autour des symboles Ah non mais c'est très bien hein, que tu me donnes des moyens Après chacun ses moyens et, et je trouve ça hyper intéressant Parce que moi j'aime bien me raconter des histoires autour des symboles ça permet de mieux imaginer et mieux retenir. Et toi, ça se voit que tu as un autre schéma de pensée en mode. Tu de relier les, les symboles à des, des écritures qu'on connaît dans notre alphabet à nous. Genre H6. Euh. euh T'avais quoi tout à l'heure aussi Ouais, le, le nœud, euh, c'est comme le nœud de notre prononciation à nous pour le nez. En vrai, c'est pas mal. Et du coup, tu as appris. Euh,

Hop, euh, ensuite, euh, du coup, là on a Imo, Kimo. là on a Oka, Oka. Euh, là on a euh, euh, Shi, le, euh, là on a Hifu, et, et là on a Nushi. Nushi. Euh, moi, j'ai la roue MDR. Pour, euh, c'est pour lequel que tu dis que t'as la roue Pour euh... Tu... là Pour le loup Pour le loup, c'est la roue, ouais bah tu vois, à chaque fois tu ramènes... Euh... Et si on... Non j'apprends seul. Ah, sinon t'apprends seul. Oh bah cool, en vrai cool. Et en plus, le fait que tu viennes en plus, ça, ça te permet de remettre en mémoire si t'as pas le temps. Ça te, ça te permet de vider la tête surtout. Ah bah tu vois, roue par exemple, euh, moi le loup... Le loup, tu vois, euh, j'associe pas à la roue, du coup, à un, un truc qu'on prononcerait avec euh, notre truc à nous. Je le je vois plus avec euh, l'image, moi. Genre, je vois bien cette espèce euh, cette de. C'est un Z avec, euh, qui est en train de rouler, quoi. Qui est en train de se rouler, euh, s'entortiller. Donc, je me fais plus une image, alors que toi, tu penses plus à. C'est drôle d'avoir deux façons de penser comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, du coup, hallo, du coup, hallo, et c'est spring. Ça veut pas. Laisse-moi aller noter. Euh, ah, J'ai perdu ma souris. Hop. Euh, pas sur la bonne page. Alors. Euh, spring C'est le printemps, je crois. Spring. Ah non, aussi, oh, si, si c'est le printemps. Allo. Ah, C'était bien Allou. Je crois que c'est le printemps. J'allais vérifier. C'est le printemps. Le printemps... Euh, attendez, Spring Winter, c'est l'hiver. Et... Ouais, c'est le printemps. Le ressort aussi. Un ressort. Ok. Ok, j'avais pas. Euh, je savais que c'était le printemps, du coup. Je m'étais pas trompé. Mais je savais pas que c'était un ressort. Ok, alors on continue. Shiru. Euh, shiru. Euh, tsuru tsuru Tsulu le sou le sou le loup. Euh, bah, le Le bah c'est forcément celui-là le sou et du coup pour le sou je trouve ça hyper intéressant t'as quoi comme euh, comme mémotechnique pour le sou c'est ça que je trouve intéressant euh, avec le fait qu'on a un alphabet différent d'eux c'est qu'on a vraiment des façons très différentes de, de pouvoir mieux retenir euh, les les symboles quoi euh, alors euh, il faut... Euh, 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 ensuite, là on a le Oka, là on a le One là on a euh, le Naru, et là on a le Nuru. Numa, 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 Numa. alors euh, Numa, nu Nu, là le ouais, ça, et le Ma toujours le même Ma swamp. Euh, louloulou, du coup, le loup. C'est celui-là. Parce que c'est le Z qui vient s'enrouler. Qui C'est qui Qui Non, c'est qui Qui J'ai l'impression d'entendre qui, alors que c'est qui Là, on a T. Là, on a ça. Là, on a coup, Donc, c'est forcément qui Euh, alors, pour le sou, j'ai pas de moyens, certains canards, j'ai pas de moyens, ah bah, ok, ok, ouais c'est juste tu les retiens. Après, c'est bien d'en avoir pas mal, mais si on en a pas pour tout, c'est pas si grave, parce que ça nous en fait déjà moins à retenir, puisqu'on a déjà des techniques pour la plupart. Moi, pour le, le sou, euh, ce que je fais, personnellement, euh, c'est je pense à un fil à linge. Euh, je sais que c'est bizarre de penser à ça. Euh, c'est quand j'ai appris le sou, euh, je me souviens, euh, j'étais en train d'étendre mon linge qui était dans dans le dans la machine, donc je l'ai étendu et euh, je me suis dit, oh bah le sou en fait, c'est comme si on attachait avec une épingle sur le fil un truc dessus. Un, je sais que c'est un, un espèce de, de neuf qu'on attache dessus, mais ça me fait penser à ça. Voilà. Euh... C'est un mémotechnique comme un autre, hein. <laughs> mais euh... mais c'est sûr que c'est bien d'avoir euh... des mémotechniques pour certains, mais pour tous ça sert pas à grand chose. Oh enfin, si ça peut servir, mais voilà. Par exemple pour le nu, je j'ai rien personnellement. Hone. Je retiens c'est le nu quoi. Euh, alors Ronet. Oh, oh. Ne. Le nez, je retiens que c'est un nœud. Alors, Bone, est-ce qu'on l'avait déjà noté Il faut pas que One on l'avait déjà noté. Je ne crois Il faut pas confondre Hone pour euh, Honishan et, euh, et le One. Donc, One On a dit que c'était quoi Bone. Hop. Euh. On va faire une petite vérification parce que une bouse en anglais. Si je me trompe pas... Non c'est bon. Je me trompe pas. J'ai bien appris Minecraft. Chacun a sa façon de faire. Ouais, de fou. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc bonne on est d'accord que c'est hausse. Merci Minecraft. Hein. <laughs> euh, euh, hop là alors euh, Numa, donc euh, nous c'est celui que euh, j'ai pas de nouveau technique, et ma du coup je sais à côté. Hiru Hiru, hi Hi, hi. donc euh, Hiru. Donc le I il est là et le Lou il est à côté. Euh, ensuite, ici on a le OK. Là on a le IKI. Là, on a le nodou Là, on a le oli. Et là, on a le euh, rusu. Hima. Hima. Donc, qui hi. et le ma Il est là. Euh, voilà c'est cadeau. Ah ouais. Il me dit que free time. Attends, je vais noter ça avant. Free time. time donc le temps libre le temps gratuit le temps libre a... ah, c'est du coup on a dit euh, ima ima ok et tu me dis que les pas encore en gros je crois que ton dernier symbole je l'ai pas encore appris je n'ai pas encore appris euh, ton dernier symbole que tu m'as mis parce que ça ressemble à un co avec. Euh... Ah, mais attends, c'est un co avec deux traits derrière. Donc, si c'est un deux traits, ça doit être. Euh... Un short ou un gakouan Non, un truc du genre. Non. Euh, enfin, pas un short, un small, je voulais dire. Excusez-moi. Euh, alors, tu me dis. Euh, avec deux traits. Ça doit être le Ko. Je sens le co ko, le co, bah non. Le kyo ici. Ils sont où les deux traits Là il y a un trait. Non Ah voilà, c'est bien les dakuan. Ok. Donc dakuan, techniquement, c'est le ko, il est où Il se transforme en go, voilà. De Gohan, Goku et ainsi de suite. C'est pas un combo, non, c'est un Dakuan. Et du coup, euh, ce qui fait que ici, je dis pas de bêtises, on a un euh, Ta, Tamago, c'est ça Tamago Comme les Tamagotchi Je dis pas de bêtises C'est Tamago donc, tamago, ça veut dire. Tamago. J'ai pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Euh, tamago, ta 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 ta, ta. C'est ça. Ah, ok, Tamago, euh, je retiendrai. que euh, ça me fait penser au Tamagotchi. Donc, tamago. Ça m'écrit pas. Ah non mais ça fait n'importe quoi avec PCN. <laughs> euh, du coup, Tamago et du coup, euh, c'est un œuf. Ok, d'où vient du coup les Tamagotchi <laughs> Ok, bon. Euh, mesdames et messieurs, pour que vous regardiez ça sur YouTube ou sur Twitch, merci d'avoir regardé. Euh, pensez à liker et à mettre dans les commentaires, du coup, comme euh, Blanc euh, vos différents mémotechniques. Je trouve ça hyper intéressant de voir que vous avez des mémotechniques complètement différents. Par exemple, moi, je parle beaucoup sur l'imagerie Et euh, Blanc Sama, par exemple, qui est dans le chat, euh, lui, euh, utilise beaucoup une, des références avec euh, notre alphabet ou nos prononciations. Euh, bah, à nous en français, et je trouve ça hyper intéressant de voir qu'on a des façons différentes. Donc n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, je trouve ça euh, trop bien de voir votre façon de voir. Euh, sinon, c'est tout pour euh, notre apprentissage des hiragana d'aujourd'hui. Euh, pour la prochaine fois, on va essayer, essayer soit de finir les hiragana, soit d'être presque à la fin, parce que euh, on va sûrement passer euh, sur les dakuan la prochaine fois. Euh, voilà. Euh, tout simplement. Et sur ce, moins de babla et euh, à la prochaine! Tchuss les gens!